nous ne pouvons pas nous contenter à fêter avec nos familles, alors que ceux exceptionnellement de l'Est de la République sont victimes des actes de méchanceté de la part des hommes méchants. Les militaires qui sont en train de se battre sous la couleur du drapeau de leur pays, pensons à ces enfants qui sont restés sans père. Les femmes sont violées. Le 25 décembre à 8h, nous prierons pour ceux de Béni en direct par le biais de la télévision. S'il vous plaît, ne restez pas chez vous. Ça se passe à Limété, 6e rue résidentielle, parcelle voisine au titre foncier. Que ceux de l'Est de la République démocratique du Congo ne se sentent pas seuls. Nous sommes tous ensemble en pensant à la paix, à la grâce et à la miséricorde du Seigneur. Et le même jour, nous allons présenter ce que nous pouvons réunir et rassembler pour soutenir ces familles. Voici la recommandation du Seigneur. Nous observerons le jeûne de minuit à 12 heures. Nous serons tous en prière les uns avant midi. Dieu nous exaucera. Et je crois que ce serait la fin de cette tragédie. On ne va plus subjuguer. Puisse le Dieu des esprits des prophètes, puisse le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth accorder le soleil, la lumière, la paix et la grâce à notre nation. Que Dieu bénisse la RDC. Bienvenue.